J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon dimanche. Magnifique. Voilà, alors je vous fais cette petite vidéo. Je vais vous faire des petites vidéos calmes, apaisantes, avec des choses que j'ai écrites et des photos que j'ai prises, en espérant que cela vous fasse du bien. C'est mon souhait. Voilà, et tout à la fin de la vidéo, je tirerai quelques cartes. Le pouvoir des mots, votre pouvoir des mots, la vibration des mots, la vibration de l'eau, la vibration du soleil dans l'eau, la réverbération des mots dans l'eau, dans notre regard, cette lumière dans notre regard. Nous sommes constitués d'eau, ne l'oubliez pas, l'eau c'est la vie. Mettez de belles intentions dans l'eau et dans les liquides. Soyez attentifs aux signes que vous recevez et aux visions. Le soleil est votre protection, l'eau est votre cadeau de purification et chasse toute confusion pour laisser place à la protection totale du soleil. Et ainsi, les ombres sont choses du passé, car la volonté du soleil est de mettre de la lumière et de la clarté dans nos vies et dans l'univers. Le cœur ouvert, je reçois de l'abondance guérissante et je me sens en paix. Je suis en or et vibre cette unité purifiante qui roule vers mon âme avec les bienfaits de la grâce divine. Je vibre haut et fort avec mon cœur, mon âme et mon corps. Tout ce qui est céleste vient à moi avec facilité. Je reçois ces cadeaux, les bras ouverts. Les lois divines sont des énergies qui se balancent avec le vent, toujours en action. Elles sont furtives, mais bien là. La magie est bien là, furtive, mais bientôt permanente et stable, comme le soleil. Il est toujours là, mais on ne le voit pas toujours quand la grisaille est présente. La grisaille de notre corps, notre âme, notre cœur sont nos ombres. Ces anciennes adoptions inutiles sont à évacuer. Et grâce aux symboles, à l'eau, au soleil, aux animaux, aux herbes, à la nature, et toutes les purifications qui vous attirent, vous sentez d'une grande aide. L'ombre de votre vrai moi est sur le point de se dessiner. Soyez-en certain. Merci. Et des cartes de ce jeu qui est les cartes divinatoires des saints et des anges de Doreen Virtue. On verra ce qui sort. La première carte, c'est celle-là.
La confiance avec l'archange Saint-Michel. La confiance. Voilà. Croire en soi. Confiance en soi. La confiance à ce qu'on pense, à ce qu'on aimerait, ce qui se produise. Et confiance aussi aux anges. Confiance à l'univers. Avec la main sur le cœur. Elle est belle. En plus, en haut, on a une fleur de vie. Protection, purification. Je vais voir s'il y a encore une autre carte. Récompense, confiance, puis la récompense avec une colombe de la paix, avec un grand sourire. Vous aimeriez quoi comme récompense, hein? Il faut avoir confiance. La récompense arrive, la paix aussi. J'adore. En tout cas, moi, ça me parle bien. Voilà, les amis. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de dimanche. Je vous embrasse tout très fort. Et je vous dis à bientôt.